nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Et non, je n'ai pas dit vlogmas parce que cette année je ne fais pas les vlogmas comme l'année dernière, je crois pas que je les ai fait l'année dernière. Parce que avec le boulot et tout c'est hyper compliqué. Ceci dit, je vais essayer de vous poster un maximum de vidéos. Si c'est pas un vlog, ça sera un tuto, une revue, une facecam, enfin voilà, j'essaie de travailler dessus. Bon, pour cette semaine, je vous dirais que c'est vraiment un peu cuit puisque c'est la première vidéo de la semaine. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais vraiment essayer de faire un peu plus de vlogs et le reste du temps, quand je vlog pas, vous poster une autre vidéo. Voilà, vous ne rêvez pas, je suis en train de le refaire parce que ce petit chien Pixel me tire le sapin, donc il m'a... Alors ça c'est une guirlande toute neuve que j'ai achetée à Action. J'ai plus le ticket de caisse et elle a marché 4 jours, mais j'ai plus le ticket. Et celle-ci je l'avais achetée l'an passé, donc elle marchait à pile, elle était vraiment très très bien. Et mon cher et tendre petit Pixel, si vous me suivez sur Insta, ben c'est pas un scoop, vous le savez, a bouffé. Il a tout bouffé, voilà, le boîtier il n'est plus en adéquation avec ça. Donc je suis bien dégoûtée, puis il a bien mangé, hein. Je vous dis, il y a des fils de partout, partout, il n'y a plus d'ampoule, il n'y a plus rien. Donc du coup il a fallu que je retire le sapin pour les enlever, parce qu'en plus de ça, bah, je vais vous montrer. Bon là il y a plein de trucs par terre, mais en fait mon sapin était à même le sol. Et en fait Jack s'assit sur la plaid en mode pilou pilou, et Pixel embête Jack. Donc Pixel il tire sur ça pour l'embêter, pour jouer avec, sauf que bah il fait tomber mon sapin. Donc il m'a cassé deux branches en bas, j'ai réussi à les rafistoler. Donc à mon avis ce sapin ne fera pas l'année prochaine. J'ai plus qu'une guirlande en haut, ça fait très ridicule. Donc j'irai en rechercher dans la semaine, et puis je les re-rajouterai, c'est pas très très grave. Ceci dit je suis en train d'essayer de lui redonner forme, et je l'ai mis du coup sur un coffre. Et ça généralement je le mets dans mon Kajibi, où il y a les manteaux, et en fait les enfants mettent leurs sacs dedans. Donc tout ce qui est sac de sport, les écharpes, les gants, tout ça c'est là-dedans. L'hiver on met les casquettes, et l'été on met les, voilà, les bonnets. Donc et ben voilà, mon petit rituel du matin c'est de remettre ça. Donc je vais essayer de remettre un peu comme les enfants avaient mis, grosso modo, sachant que de toute façon faut qu'on rachète des décos. Mais tant qu'on n'a pas tout posé c'est délicat. Donc bah je fais ça. Je trouve déjà qu'au niveau des décos c'est un peu mieux éparpillé, parce que alors eux ils avaient tout condensé sur le même truc. Est-ce que je vais en racheter? Franchement je sais pas, je le trouve déjà complet. J'ai mis les petits origamis à Cassie, enfin c'est Paper Toy là. Je les ai mis dans sa part, je trouve ça trop mignon. Donc tous ceux qui sont assis, l'ours, le paon, le lapin, l'écureuil. Non, lui c'est le paon. Donc lui c'est quoi? C'est quoi cette bestiole? Bon ça, je les ai mis dans le sapin, et le petit renne qui est debout je l'ai mis sur le meuble, donc le meuble ça fait ça, voilà, grosso modo. Donc c'est assez mignon, voilà, c'est sympa. Donc on retrouve le sapin, du coup ça comble mieux le mur, hein, puisque bah, il est en hauteur. Et puis là-bas on a encore quelques petites décos. Voilà, moi je trouve que c'est bien, c'est sobre, il n'y en a pas trop. Là-haut j'ai ma petite maison pain d'épices. D'ailleurs je vais l'enlever parce qu'elle est bien sec maintenant, je pourrais la mettre ailleurs. Et j'ai posté le tuto hier, donc je vous mets dans le petit i. Voilà, donc je vais la prendre tout de suite, comme ça elle sera à sa place. C'est trop mignon. Donc elle est faite entièrement en fimo. Voilà, voilà, c'est un petit kit de graines créatives. Franchement, il est sympa. Je vous invite à aller voir la vidéo, comme ça vous aurez mon avis le plus sincère. Maintenant, je vais remettre ma table comme elle était. Je vais monter là-haut, me manger deux clémentines. Et je repars au boulot. Il me reste encore une chaussette rouge à faire. Et trois personnalisations. Donc, les deux chaussettes à personnaliser et une panière avec des lingettes. Si vous arrivez et que vous ne savez pas de quoi je parle de ma boutique Cassimini Factory, je vous mets le lien en partie plus information, dans lequel je réalise des créations artisanales en couture que je personnalise, également en bois, il y a des emporte-pièces, enfin, il y a tout un tas de choses.
Donc là, ce matin, je finis mes commandes. J'en ai une bonne quinzaine à expédier demain. Donc j'aimerais finir ces deux-là pour que ça tout part demain. Comme ça, je suis à jour pour là. Et profiter que ça soit de nouveau un peu calme. Parce que là, j'ai pas eu de commande hier. Et hier, c'est tout, je crois. Hier et avant-hier. Je sais plus. Lundi, mardi ou que mardi. Bref. Du coup, j'en profite pour faire des vidéos, des tutos, voilà. Et pour faire des nouveautés sur le site. Voilà, pour travailler sur des nouveautés. Et ça sera déjà pas mal. Donc, je vais essayer de faire ça ce matin. Donc, je reprendrai en début d'après-midi. Parce que du coup, là, je vais faire mes coutures. Ensuite, je fais des tutos. Que c'est prêt. Enfin, la table est prête. J'ai plus qu'à. Et je reprendrai certainement après manger. Bon, c'est une bonne chose de faite. Ah si, pendant que j'y pense, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que pendant le mois de décembre, il y aura des concours là-bas. Il y en a un là en ce moment sur un jeu de société, donc assez sympa, Combo Color. Donc bah allez me suivre là-bas, le concours là il dure une semaine, donc bah let's go parce que c'est là-bas où je posterai tous les concours de Noël. Il n'y en aura pas un tous les jours, mais il y en aura quand même pas mal, je l'espère. Donc bah, je vous attends là-bas. Je suis en train de faire celle-là, on m'a commandé celle-là. Donc vous voyez, je suis tellement bien à jour dans mes commandes que la personne qui m'a commandé cette chaussette, elle la recevra en fin de semaine. C'est-à-dire qu'elle la commande aujourd'hui et je l'expédie demain. Donc là, j'ai du coup 3 chaussettes à personnaliser et une pochette. Donc je vais faire ça après manger. Et j'ai des die-cuts à couper aussi. Donc après manger, comme ça, demain, tout part. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 commandes qui partent demain matin. Nickel, je serai à jour. Donc non, c'est cool parce que comme j'arrive à bien suivre le rythme, même s'il y en a beaucoup, là ça se calme un petit peu. Bah, du coup, ça me permet d'enchaîner. Je passe franchement mes journées à ça, tu m'attends au soir. Maintenant, c'est vrai qu'au début, Raph me coupait les boules. Moi, je faisais le visuel, j'enlève mon écouteur. Je faisais le visuel de mes boules et Raph arrivait le soir, il m'a découpé. Alors pas que je savais pas, parce que je l'ai fait avec lui et je sais comment ça fonctionne, mais j'avais trop peur de cramer quelque chose. Le laser, c'est pas un truc qu'on rigole pas avec. L'imprimante 3D, ça bourre, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, on change les pièces hein, si on les endommage, mais le laser, ça peut prendre feu. Et moi, ça me faisait peur. Et puis bah hier j'ai Raph, non il faut vraiment que je me débrouille parce que bon bah lui il a quand même sa journée de boulot dans les pieds hein, et quand il rentre le soir et que je lui dis t'as 20 boules à couper, il sait qu'il va rester 1h30, 2h dans l'atelier. En plus avec le compresseur ça fait un boucan phénoménal, j'ai pas un truc énorme en compresseur, j'ai le plus petit. Du coup il se met en pression tout le temps, il est plus en pression qu'en sous pression et le machin fait un bordel énorme. Donc vous êtes 1h30 avec un bruit comme ça. Voilà quoi, donc là du coup hier je les ai faites et ça va en fait, j'ai pris confiance donc du coup je peux en plus lancer ça la journée et c'est trop bien. Donc bah écoutez, moi je suis super contente. Du coup je vais faire mes personnalisations après manger. Là il doit être 11h, j'ai rangé mon petit bazar. Oui, vous voyez, il y a 1h la personne m'a commandé sa chaussette. 1h, elle est faite. J'ai plus qu'à la personnaliser. Moi, j'y franchement, je suis trop productive. Mais tout ça, c'est une question d'organisation. Je vais pas spécialement vite parce que surtout en couture, je prends le temps. Ben, quand même pour que ce soit bien fait. Hein. J'ai pas envie que ce soit bâclé, voilà. Toutes mes panières et tout, je ferme tout à la main. Donc, je fais quand même. Qu'est-ce qu'elle a ma fille? Il passe à 12h30. Oui, et ben c'est pas grave. Bon, attendez, je la rappelle. Ah, ses enfants. Bon, elle a loupé son bus parce que normalement elle finissait à 11h30, mais le bus est passé à 34. Du coup, elle l'a loupé et le prochain passe qu'à 12h12. Donc, dans 12 minutes. Donc, je dis non, mais t'inquiète. Le temps que je fasse à manger, que je descende en bas.
Donc voilà, là je vais descendre, me prépare à manger. Bon, on mange pizza ce midi, ça va être très très rapide. Et après, je remonte vite fait. Je lance la Scan and Cut et la Silhouette. Oui, j'utilise pas les mêmes, c'est bête. Mais étant donné que j'ai deux plotters de découpe, eh bien, j'utilise la Scan pour le flex et la Silhouette pour les découpes die et stickers. Pourquoi ? Parce que dans ma Scan and Cut, il y a un scanner intégré. Ce qui fait que si je dois, ce qui va être le cas ici, découper du flex noir et du flex doré, puisque mes bottes c'est doré, faut que je revérifie les commandes parce que les gens peuvent choisir, mais je pense que oui, c'est doré. Étant donné que voilà, j'ai trois commandes différentes et j'ai deux couleurs de flex différentes, du noir pour le panier et du doré pour les chaussettes. Du coup, comme il y a un scanner intégré, je vais mettre du blanc, enfin du noir, je vais y arriver, un morceau de flex noir et un morceau de flex doré sur mon tapis. Je vais scanner et je vais pouvoir voir sur ma machine où se trouvent mes morceaux de flex de couleur pour pouvoir repositionner les noms qui vont à telle et telle couleur. C'est plus simple. En fait, je fais toutes mes découpes en une seule passe. Si j'avais utilisé ma silhouette caméo, faut savoir que c'est la caméo 1. C'est-à-dire qu'elle remonte à la 5 gringrin. Je sais pas, faut regarder la vidéo que j'ai fait sur ma caméo. Elle a au moins 5 ans. Oh oui, au moins 5 ans. Ce qui veut dire que elle a pas de scanner intégré. Puis il n'y a pas de scanner sur les scan and cut, les silhouettes. Je suis perdue. Du coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut bien mesurer son morceau, mesurer sa découpe, bien placer dans l'angle, et moi, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle. Donc, et puis, c'est plus pratique parce que du coup, la lame sur ma Scan and Cut n'est pas une lame qui se règle automatiquement. Et le désavantage de la Scan and Cut, c'est que Scan and Cut ne te dit pas comment régler ta lame en fonction de... Enfin, en tout cas, pas pour la... Je sais pas si les autres le font, mais moi, c'est la petite, la CM300. Il n'y a pas, quand vous êtes sur le logiciel et que vous précisez que vous allez, non, c'est pas un bon exemple que je vous donne. Sur Silhouette, par exemple, quand vous allez découper votre papier, vous précisez au logiciel Silhouette que vous allez découper telle ou telle matière. Par exemple, si je découpe du flex, il va me dire réglez votre lame à 2. Si je découpe du cardstock, il va me dire réglez votre lame à 3, du stickers à 2. Donc à chaque fois, je peux régler ma lame en fonction de la matière que je vais découper. Or, Scan and Cut ne le fait pas. Donc ma lame est réglée pour du flex, elle reste réglée pour du flex. Vous voyez ce que je veux dire? J'évite en fait de dérégler à chaque fois parce que c'est très chiant à remettre. Donc en fait, j'utilise les deux. Et c'est pas plus mal, en même temps je les ai autant qu'elles servent. Il y en a une qui sert au flex et il y en a une qui sert au papier, aux stickers, etc. Voilà, c'est pas plus compliqué, tout simplement. Donc je vais faire ça après manger. Ensuite je passe au repassage pour fixer mes flex. J'emballe. Je pèse, j'affranchis, et voilà, je suis trop contente, franchement. Et du coup, cet après-midi, je vais pouvoir avancer sur mes tutos. Parce que là aussi, j'ai quand même pas mal de boulot. Et j'aimerais bien m'avancer parce que je vous ai dit que j'allais vous poster plus de vidéos durant le mois de décembre. Mais pour ça, il faut les faire, les vidéos. Ben oui. Bon, au pire des cas, si vraiment je suis à la bourre, je peux toujours faire un vlog. Voilà, c'est un petit peu côté facile. On va pas se mentir, mais le vlog, vous filmez votre journée, intéressante ou pas. Vous montez la vidéo, ça demande... À rien comme montage, franchement, moi un vlog en 30 minutes c'est fait, c'est pesé, on n'en parle plus. Alors que un tuto, c'est le tuto que vous avez vu mercredi de la maison peinte d'épices, c'est un tuto dont j'ai mis plus ou moins une journée à filmer. Enfin, je dis plus ou moins parce qu'il y a le temps de séchage, on va dire 3 heures parce que j'ai fait toutes les cannes, les éléments, les machins. À chaque fois, faut couper la caméra, etc. Donc, en tout et pour tout, pour filmer la vidéo, pour faire la vidéo. Il m'a fallu 4 heures et j'ai mis un bon 5 heures à la montée. Voilà, pour quelque chose qui fait moins de 10 minutes. Alors que dans les rushs, il y a plus d'une heure et demie. Vous voyez, c'est voilà, c'est une journée de montage, une demi-journée de... Non, une journée de tournage pour une demi-journée de montage, pour un tutoriel de moins de 10 minutes. Donc voilà, si on a à choisir, en plus, mes vlogs, ils sont plus vus. Hein. Donc, si je voudrais, je pourrais faire que du vlog. Je me dirais, au moins, j'en glande pas une et c'est vu. Alors que les tutos, pas forcément. Mais c'est pas ce que je veux. Donc, c'est pas ce que je fais. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête de vous parler. Je vais descendre faire la pizza. Le temps que Cassie, elle arrive, j'allais dire, je range mon bazar, mais j'ai rangé avant qu'elle m'appelle. Oui, je suis très... C'est pas que je suis maniaque. Je suis pas maniaque. Mais je déteste travailler dans le bazar. Pour moi, si je veux être efficace... Il faut que je sois
organisé. Si vous êtes organisé, vous serez efficace. Il n'y a pas de miracle. Voilà, c'est tout est là. Bon, allez, j'y vais. Bon, sinon, moi, le facteur, il est bien passé. Et en fait, c'était un cadeau voilà, de la part de Woupilo et Colscare. Et en gros, ils m'ont envoyé un super méga joli oreiller Woupilo. Franchement, il est trop bien. Oreiller de 100% coton. Et je suis en train de chercher. Voilà, on a la petite estampe là, Woupilo. Et en fait, on a normalement quelque part, je vais trouver. Ah, en dessous, une petite fermeture. Et avec, on a de la microfibre supplémentaire en polyester que l'on peut rajouter dans notre cousin pour le rendre encore plus juste. Donc c'est super super canon. Voilà, donc je vais tester ça. Et puis je vous en reparle dans le prochain vlog, déjà savoir si j'ai bien dormi. Donc moi je vais rajouter tout, hein, parce que moi j'aime quand c'est vraiment 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 très gros. Et donc je vais tout mettre. Et puis on verra comment s'est passée ma nuit, mais j'ai déjà hâte de l'utiliser. Enfin, le truc, il a, on dirait pas un mémoire de forme, mais presque. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop cool. Regardez-moi ça. Ça donne déjà envie d'aller faire une sieste, mais j'ai pas le temps. J'ai encore eu des commandes, j'ai encore des boules à faire, donc voilà. Mais je tenais quand même à vous le montrer, comme ça je teste et puis je vous en reparle. Bon, faut s'y remettre. Donc du coup, j'ai partagé sur Instagram le coussin que j'ai reçu là. Et Woupilo m'a renvoyé tout de suite un message en me disant qu'il me proposait un petit code promo. J'ai dit oui, si ça peut toujours vous permettre d'avoir la même chose que moi à moins cher. Donc il vous offre 10% de réduction sur tous les oreillers avec le code CœurCassie. Je vous le mets là, je vous le mets en partie plus d'informations. Et en plus avec, vous avez un petit sac cadeau pour tout oreiller acheté. Donc c'est des oreillers de bonne qualité, hein. c'est pas du... voilà. Vous l'avez vu de toute façon, hein, au toucher, enfin on le voit, on voit que c'est quand même quelque chose de très quali. Et je sais que voilà, le sommeil c'est très important, et si on dort pas bien, on se réveille avec des douleurs au cervical, partout dans le dos, etc. Et pendant des années, j'avais le même matelas. Vers la fin, je n'en pouvais plus. Et il y a quelques mois de ça, je l'ai changé quand j'ai commencé à avoir mes soucis de dos. Et j'ai vu une nette amélioration. Donc je pense que c'est lié quand même. Voilà. Faut penser à changer régulièrement sa literie et prendre des choses de bonne qualité. Parce que bah, c'est voilà, on y passe autant de temps dans notre lit que debout la journée. C'est quand même pas rien. Donc il faut quand même qu'on soit au minimum confort. Donc voilà, je vous transmets juste, j'ai aucun partenariat. Voilà, moi j'ai reçu en cadeau parce que je suis une influenceuse et que c'était un cadeau de Noël. Mais je me dis que si ça peut voilà, vous permettre vous aussi d'en profiter, bah écoutez, autant que ça serve. Bon, et ben on se remet au boulot parce que j'ai deux boules à couper, je crois. J'ai eu une commande entre temps. Je pense. Je l'ai pas sorti. Hein, je l'ai pas sorti la bonne. Et ben voilà. Bon bref, j'ai des boules à faire. Et puis j'aimerais finir mes personnalisations, tout ça. Donc je fais tout. Et je reprendrai plus tard. Les enfants seront tous arrivés à la maison. Donc ils font leurs devoirs. Demain, ça va être une journée bien galère. Enzo reste avec moi toute la journée parce que ils font grève à l'IME. Donc lui il est content, il est déjà en week-end. Miss Cassie c'est compliqué parce qu'elle pense que ses deux profs sont absents. Mais elle n'en a pas vraiment la certitude. Donc elle pourrait potentiellement finir à 11h30. Sauf que je crois qu'elle ne peut pas quitter le collège. Parce que vu que tu es demi-pensionnaire, voilà. Donc elle est obligée de manger à la cantine. Ce qui en soi n'est pas très grave. Sauf qu'en plus, Raph commence une heure plus tôt parce qu'il projette, enfin il prévoit, oh j'ai trop de mal, il prévoit des manifestations, des blocages au niveau des ronds-points, etc. dès 7h le matin, ce qui fait qu'elle pour le bus, ça va être une toute autre histoire, sachant que si c'est moi qui l'emmène, ça va être la même histoire, donc je sais pas, on va voir, mais je pense que je vais vous prendre. Ça va être très 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 mouvementé cette journée de grève. Au niveau du carburant, nous sur le Mans, bah écoutez, c'est coup-ci coup-ça, parce que côté, alors si vous êtes du Mans, côté sud, Allonne, tout ça, c'était blocage des ponts. Par contre, côté nord, Auchan, pas du tout. Donc Raph a pu faire son plein tranquillement de l'Audi. Moi, c'est une essence, donc... je suis pas trop embêtée par ça. Et puis je suis pas dans l'obligation de sortir. Hein. En grand cas, s'il faut que je fasse les choses à pied, je peux les faire à pied. Ça va aller. Même pour aller à la poste,
Alors moi, je vais rarement à la poste pour la bonne et simple raison, c'est que tous mes colis, je les affranchis en ligne sur laposte.fr. C'est super pratique, je fais tous mes suivis directement. J'imprime, je colle, et puis pour ce qui est des colissimo, j'imprime à la maison et je demande à ce que mon facteur me prenne dans ma boîte aux lettres le lendemain. Donc bon, hein, suivez-moi sur Insta. Ça peut toujours être utile, je suis souvent en story, beaucoup plus là-bas qu'ici en tout cas. Et voilà. Bon, ça va la miss? Ouais. Elle est contente parce qu'on a reçu quoi ce midi? On a reçu notre colis Shein. Donc je vais vous filmer ça demain ou vendredi, je sais pas, mais en tout cas elle, il y avait quelque chose pour elle qu'elle a déjà été, qu'elle a déjà essayé, testé, approuvé. Elle kiffe sa mère. Moi, oh, il y a des choses qui me plaisent aussi beaucoup, 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 beaucoup. Mais je vous redirai ça dans une nouvelle vidéo parce que la dernière vidéo All Shein vous a énormément plu. J'étais grave contente. Je me suis dit waouh, j'ai jamais fait de haul face cam comme ça. Vêtements, tout ça, et ça vous a beaucoup plu. J'étais très très contente parce que nous on adore les faire aussi. Donc voilà, bon écoutez, j'arrête de parler cette fois parce qu'il faut vraiment que je travaille. Bah oui, ça fait aussi partie du boulot. Hein. Vloguer c'est bien, mais bosser c'est mieux hein, quand même. Pas déconner. Mes die cuts sont découpés et pré-envoyés. Pochette avec 8 cotons démaquillants lavables et réutilisables marqué Audrey. Et mes 3 chaussettes, Nathanaël, Anthony et Delphine. Donc tout ça c'est fait. Là je vais donc, j'en ai là-dedans, préparer l'ensemble des 3 commandes, les emballer, mettre tout ce qui est tissu dans du papier de soie. Ça, c'est enveloppé avec un carton assez fin pour pas que les boules se cassent dans le transport, histoire de les figer, et après du papier bulle par-dessus. Et ensuite, quand ce sera fait, bah, j'aurai plus qu'à faire mes boules en bois. Mais ça, ça va attendre de que refroidir parce que là, j'ai faim. Je fais ça. Dès que Raphaël arrive, j'aurai plus qu'à couper mes boules. Et puis ce soir, avant d'aller me coucher, j'affranchis tout ça. Comme ça, demain, ça part à la poste. Et je serai à jour. Ça y est. C'est imprimé, j'ai plus qu'à franchir tout ça. Pouf, et ben je suis rincée moi. Ça part demain. Ça c'est tous les bons de commande avec tout le numéro de suivi. Donc maintenant il faut que j'aille sur PayPal, envoyer le numéro de suivi à ces 11 personnes, puis aller sur mon site et valider toutes les commandes comme terminées. Et après ma journée sera finie. Pouf. Bon, il est présentement 19h. Je vais chercher Mac parce que j'ai trop froid, je sais pas, j'ai envie de McDo. Voilà, ce sera mieux que le prétexte, j'ai trop froid. Ceci étant, il faut absolument que je passe à Auchan avant chercher... Bon, ça s'éteint ça ou quoi? Chercher des croquettes pour mes chiens parce qu'il n'y en a plus. Et comme demain, avec les grèves, ils parlent de bloquer les ronds-points et tout ça, je vais anticiper et j'ai plus de lessive aussi. Donc je fais un petit tour vite fait à Auchan. Et hop, après je passe au Mac et ça sera tout pour la soirée. Je n'en peux plus. Voilà. Bon, je vous retrouve, il est 20h, on a fini de manger, c'était bon. On est claqué, on va pas tarder à monter, se coucher et on va se regarder je sais pas quoi parce qu'il n'y a plus le meilleur pâtissier. C'est fini. Donc qu'est-ce qu'on va regarder à la place? On va peut-être surprendre une série Netflix, non? Ça fait longtemps, hein? Ouais, peut-être que je vais dormir de bonne heure, par contre. Ouais, bah oui, il se lève à 5h dans le matin. Ça va faire tout bizarre. Lui, il est déprimé. Lui, il est déprimé parce que... Dis, pourquoi t'es déprimé? Parce que la maîtresse, elle fait pas grève, du coup, bah je reste à l'école.
Elle me dit reste avec moi et Cassie, on ne sait pas trop. Ça va dépendre des transports. Donc restez connectés, vous en saurez plus dans le prochain épisode. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien travaillé. Mes petits bébés, je vous les aurais bien montrés sur Raph, mais Raph, il a pas une tête. Il a pris sa moto aujourd'hui. Décidé, il dit oui, il pleut pas et tout. À son anniversaire, il a eu ses bottes et ses gants. C'est ça, hein? Ouais. Il avait déjà des gants, mais c'était des gants été. Là, c'est des gants hiver. Non, plus mi-saison. Mi-saison, bref. Voilà. Alpinista et tout qui va bien avec son casque. Ton casque aussi, c'est un Alpinista? Non, ton manteau. Voilà. Bref. Mais il les avait jamais utilisés depuis le mois d'octobre. Et là, ce matin, motivé, il dit c'est bon, il pleut pas, j'enfile les gants, les bottes et je prends la moto. Et ben il est rentré, il a dit. En même temps, ce matin, ça allait. Bah, t'as failli glisser? Oui, non, mais en termes de froid, ce matin, ça allait. Ce soir, il faisait plus froid que ce matin. Ouais, ce matin, il m'a dit qu'il n'a pas eu trop froid, mais c'était verglacé et ça a été assez chaud sur certains 25 mètres. Ah, sur la route, ouais. Sur 25 mètres, la moto, elle tanguait comme ça. Il a bien eu peur. C'était chaud. Après, il n'allait pas vite, mais bon, même en allant doucement, il s'est déjà pété le poignet en roulant à 2 à l'heure. Donc. Il a glissé au démarrage et il s'est pété le poignet, donc il n'y a pas besoin d'aller vite pour ça. Et en revenant, il m'a dit gelé, il faisait froid. Et moi là, je suis parti en retard du travail, du coup tombé de la nuit, la tombée de température quoi. Tu finis à 17h, à 17h il commence déjà. Non, parce que franchement, je serais parti à 17h, il aurait fait jour quand j'étais arrivé. Ouais. Parce que quand je suis parti, il était 15, il faisait encore jour. Mmh. Quand je suis arrivé ici, il faisait nuit. Donc il ressortira la moto un peu plus tard. Ouais, au mois d'avril. Oui, je pense. Mars, avril, quand les gelées seront passées. Parce que là, c'est mort. C'est trop dangereux. Donc voilà un petit peu le programme. Cet enfant a bouffé mon sapin. Mais oui. Bah Cassie, voyons. On l'a mis en hauteur. Alors jusqu'à. Par contre, il m'a l'air un peu tendu. Il est pas bancal, en fait. Regarde-le. Ouais, il m'a l'air un peu comme ça. Ouais, il penche un peu vers nous, il va tomber. Non, tu peux regarder parce que le pied, j'ai peut-être mal non, mis. Je hein. peux pas. Il va se casser la boule, le truc. Je peux pas. Je leur fais pas trois fois. Moi, il tombe, je le fais plus. Hein. Vous avez vu les vestes Bigamy hein, qu'ils ont eu l'année dernière. Enfin, je peux vous assurer qu'ils les usent, mais à outrance, hein, parce qu'ils les mettent toute la nuit. Hein? Ça fout qu'on les supplie. Elles sont très très bien. Bah, moi pareil, hein, la mienne je la mets tous les jours. Ah oui. Tous les jours ou tout. Enfin, j'alterne parce que j'ai une autre veste dans le même style. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Hein, parce que là je parle pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Ce soir je vais tester mon oreiller. Il est rentré, Raph. Je dis, oh regarde et tout. Beaucoup, je lui dis, il faut que je le remplisse. J'ai un petit truc en plus pour remplir. Il me dit, non, mais moi j'aime pas le mien parce que le mien il est trop dur. Alors tu peux le laisser comme ça et me le passer. Je lui dis, non. Je le garde. De toute façon, tu dors pas avec ton oreiller. Même si tu le gardes. Oh là, vas-y. Ça va, Jack? Oui, je fais ça. Il me fait peur. Tu le garderas pas, tu le mettras par terre en pleine nuit. Hein. Quel gâchis. Bah oui. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu parles pour rien dire comme tu l'as dit. Mais de ce qu'il a dit lui? Non, je pense. Tu parles pour rien dire comme t'as dit. Mais non, mais du coup, moi j'ai envie de dire la fin. Le gros gentiment poussé vers la sortie. Voilà, dans toute son authenticité, mon fils Timéo. Hein, je crois que depuis qu'il est petit, lui, il est franco. Hein. C'est quand il a eu joué à dire. Comme moi. Ah, Tim, lui, c'est. On pourrait en faire une vidéo sur ça. Je vous assure, j'ai tellement de choses, d'anecdotes à raconter de lui moi, petit. Pense. On avait honte de l'emmener dans les magasins. Hein, Raph? Ouais, mais ça, c'est le sujet d'une vidéo dédiée. D'une vidéo dédiée. Bon, sur ce, vas-y, fais ta fin. Sur ce, on vous dit. On espère que. Ah, voilà, il va. Il sait plus. Pas mais non, mais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à. Likez, commentez et à vous abonner. On vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.